Bonjour, bienvenue sur Net Prof, bienvenue au cours d'italien. Le sujet de cette vidéo sera les adjectifs en italien. Alors, en italien, il y a deux catégories, deux classes d'adjectifs. Des adjectifs qui se terminent par o, comme par exemple rosso, rouge, italiano, alto, grand. Et puis la deuxième classe d'adjectifs, les adjectifs qui se terminent par e, comme par exemple verde, vert, inglese, anglais. Forte, fort. Alors, prenons par exemple alto, forte, grand, fort. Alto et forte correspondent au masculin singulier. Donc, si je parle de quelqu'un, d'un homme, je dois dire par exemple, lui est alto et forte. Il est grand et fort. Lui est alto et forte. Si je parle d'une femme au féminin, alto deviendra alta au féminin singulier. Forte ne change pas. Et donc, si je veux dire elle est grande et forte, je dois dire lei est alta et forte. Au pluriel, al plurale, je dois dire alti et forti. Eux, ils sont grands et forts. Loro sono alti e forti. Al plurale femminile, au pluriel féminin, je dois dire alte e forti. Donc, elles sont grandes et fortes devient loro sono alte e forti. Alors, pour faire le point, nous avons les adjectifs qui se terminent par o, par exemple alto, grand, ou bien basso, bas, leggero, léger, bello, beau, tedesco, allemand. Les adjectifs qui se terminent par o changent quatre fois. Au masculin, au féminin, au pluriel et au pluriel féminin. Alto, alta, alti, alte. Les adjectifs qui se terminent par e, comme par exemple forte, fort, ou bien debole, faible, pesante, pesant, lourd, gentile, francese, français. Ces adjectifs ne changent pas au féminin. Donc masculin forte, féminin forte. Pluriel masculin forti, pluriel féminin forti. Eh bien maintenant passons à un peu d'exercice. Alors tout d'abord allons voir les quatre catégories, c'est-à-dire masculin singulier, féminin, pluriel et pluriel féminin. Je dois dire lui est, il est, lei est, elle est, loro sono, eux ils sont. Loro sono, elles, elles sont. Commençons. Molto simpatico, très sympathique. Il est très sympathique. Lui est molto simpatico. Très riche. Elles sont très riches. Loro sono molto ricche. Ils sont très riches. Loro sono molto ricchi. Il est beau et intelligent. Lui est bello e intelligente. Elle est très sympathique. Lei è molto simpatica. Elles sont belles et intelligentes. Loro sono belle e intelligenti. Ils sont courtois et polis. Loro sono cortesi ed educati. Elles sont entreprenantes. Loro sono intraprendenti. Elle est entreprenante. Lei è intraprendente. Elle est belle et intelligente. Lei è bella e intelligente. Ils sont très sympathiques. Loro sono molto simpatici. Il n'est pas russe, il est français. Lui non è russo, è francese. Elle est très riche. Lei è molto ricca. Elles sont très sympathiques. Loro sono molto simpatiche. Elles sont des filles intéressantes. Loro sono ragazze interessanti. Ils ne sont pas russes, ils sont français. Non sono russi, sono francesi. Elles sont courtoises et polies. Loro sono cortesi ed educate. Ils sont mignons et agréables. Loro sono carini et piacevoli. Ils sont des garçons intéressants. Sono ragazzi interessanti. Elle n'est pas russe, elle est française. Lei non è russa, è francese. Elle est une fille intéressante. Lei è una ragazza interessante.
Ils sont jolis et agréables. Loro sono carine e piacevoli. Elles ne sont pas russes, elles sont françaises. Non sono, loro non sono russe, sono francesi. Ils sont courtois et polis. Loro sono cortesi ed educati. Et voilà, voilà, cette petite vidéo sur les adjectifs se termine là. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur les articles en italien. Grazie per aver seguito questa video e ciao ciao!